être mère choutelle. T'es pas du tout devant Starbucks là. Putain de palin. Bon, on va voir Hugo. Il est bien arrivé au Starbucks. S'il y a un plan et que je ne verrai jamais au Japon. Ce qui est pas impossible. Putain de sa race. Je suis sûr qu'il est pas au Japon. Je suis sûr qu'il me fait tourner. Oh, j'y croyais plus. Putain, t'es vraiment là. Il est vraiment là. Oh putain, 5% de batterie. Oh putain. La ceinture est attachée. Ceci est un message de la sécurité routière. Mais bon, j'ai récupéré mon dû. En train de se rendre compte qu'il va peut-être faire froid, mais ça tombe bien parce qu'il a deux t-shirts. Deux t-shirts, manches longues jusqu'ici. Pas la prendre une petite laine. Pas la prendre. C'est parti. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que cette fois ça a marché parce que je crois que mes expériences de montagne cette année c'était pas folichon. On a mis 24h, 3h46 pour moi, 3h20 pour Hugo. 3h20. Bonne machine ce petit volant. Bon bah, sur internet on disait qu'il fallait mettre entre 6 et 8 heures. On a calculé en tout comme ça, pour aller lever le soleil ici. Bah, il est même pas 2h du matin, il neige. Et maintenant on est dans un petit recoin. C'est un petit abri de fortune quoi. C'est le mot. En gros. C'est codé comme des salguets. Putain, j'ai froid là. J'ai super froid là, 2 heures d'attendre. Oh là là. C'est du direct. Wow. Elle vient avec sa barre de fer, il va se mettre à côté de nous, il va servir pour la toilette. Et là, il y a de l'orage. Mais statistiquement, il est prouvé qu'on a une chance sur 1 million de foudroyer. On a plus de chance entre guillemets, de probabilité d'être touché par la foudre que gagner la loterie. Ah putain. Ah, je préfère gagner l'euro million. Ah. Et bah voilà, on a trouvé un 3 étoiles. Regarde le 3 étoiles, tu sais. On va rien. On est dans les chiottes. Ça fait 2 heures qu'on attend dans les chiottes, j'ai jamais aussi froid de ma vie, je crois. On a attendu et moi aussi j'ai glissé un peu, sans pression. Ah putain, qu'il fait froid là, et on y retourne. Il y a du vent, je crois, il pleut ou il neige. Oh putain, mais il fait encore le ciel, on va profiter encore. On est pas mal. On est au-dessus des nuages. Et là, c'est le sommet. On est pas bien, hein. On est au top of the world. Putain, la première montagne. Et là, regarde-moi ça, c'est magnifique, on en bouge. Le toit du Japon. On a déjà été mieux, mais on a été pire. Konnichiwa. Konnichiwa.
Konnichiwa. Et ben voilà, on est à Barbès. Donc on va tenter une petite photo de ma vie. C'est parti. Et qu'est-ce que ça donne? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Et ben. C'était le petit quart d'heure raciste. Bon bah voilà. Elle qui fait son lap social. Il est déjà rentré dans le top. Il est tout là-bas au fond. On le voit, c'est le petit point blanc. Un temps pour un renard, et là on a juste un loup, juste ici là-bas. Ouais, regarde, il y a un trou. Vise la caméra, vise la caméra. Ah, elle a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, c'est que d'amour. Petit couple du japonais. Avec Cyril, on va s'amuser à faire la conversation. Moi, je vais faire la femme et Cyril le monsieur. Oh, il est putain de bon sourire. Oula. Ah, non, moi, je vais faire les crevettes frites. Hein. Mmh. Ah, je bouffe que du riz depuis 10 ans. Bon, bah, je vais varier maintenant. Je vais prendre du poulet pané. Ah, il y a encore une poulet de riz. Putain, j'en mange plus depuis 10 ans, mais qu'est-ce que j'aime ça. Bon, bah, c'était pas la planche, c'était une carpe. Japon. Allez, pas bien là, tu veux là.